Eh bien, retour sur le plateau des experts auto avec la bande AJM. Ce fut un plaisir, Harry Rosenmack, de vous recevoir pour votre nouveau livre Nouvelles d'après 20h. Eh bien, moi, je vous rappelle que notre émission est donc prévue maintenant pour le 28 mai de 18h à 19h. C'est la première. Et pour qu'elle soit parfaite, il nous fallait encore un petit peu de temps. Donc, merci de votre compréhension et à très très vite sur grandautomobile.fr, sur Maxi, pour les experts de la bande AJM. Bonjour Harry Rosenmack, bienvenue chez vous. Merci, je suis ravi d'être chez moi, voilà, et d'être un peu chez vous aussi quand même. Un petit peu, justement, à double titre, bienvenue chez vous, bienvenue en Martinique bien sûr parce que c'est votre pays, mais bienvenue aussi dans notre radio, puisque la radio, vous connaissez très bien, vous avez commencé votre métier à Tours, je crois, avec justement le média FM, je crois. Oui, toute la première partie de ma carrière, je l'ai faite en radio. La radio, c'est un média auquel je suis très attaché. Bon. Et d'ailleurs, c'est un média que je consulte plus, que j'écoute plus, que je ne regarde la télé, d'accord, pour vous dire. Ok, bah ça c'est une belle information. Mmh. Voilà, ça c'est super. Alors, vous ne pouvez pas savoir à quel point Catherine, qui est chroniqueuse, donc, et qui va parler aussi un petit peu de vous, et moi-même sommes ravis de passer un moment avec vous dans le cadre de notre émission radio, donc télévisée. Les experts automoto sont sur Maxi et sur grandautomobile.fr. Alors, bien sûr, Harry, on va essentiellement parler de votre livre, c'est quand même l'objectif. Hein, en plus, on l'a lu. Ah, c'est bien. Vous voulez piéger. D'accord. C'est pas systématique, donc c'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser. Par contre, bon, vous l'avez compris, on est une émission qui est plutôt spécialisée automoto. Et donc, j'ai une question qui me démange, évidemment, pour vous, la voiture, c'est quoi? C'est voiture boulot, voiture loisir, voiture passion? Pas voiture passion. Mm-hmm. Voiture boulot essentiellement, voiture loisir évidemment de temps en temps aussi. Mmh. Ce qui est plus du loisir pour moi que la voiture, c'est la moto, parce que je suis motard et, ouais, et j'aime la sensation de qu'offre la moto. On parlait à l'instant de l'outdoor, du fait, ouais, qu'on était ici dans des décors naturels, et le fait à moto, d'ailleurs il commence à pleuvoir, ouais, bon, mais le fait à moto d'être confronté justement aux éléments, c'est ça, le vent, alors le soleil quand il y en a, mais la pluie aussi, c'est quelque chose que j'apprécie. Et je trouve que ça vous correspond assez bien finalement, parce qu'à travers les lectures qu'on a fait de ces fameuses nouvelles, on comprend bien que vous avez envie aussi un petit peu de vous échapper peut-être d'endroits un peu trop étriqués, on va dire, dans votre vie professionnelle par exemple. Hein, je sais pas, c'est quelque chose qui passe comme ça dans la tête. On verra tout à l'heure si vous êtes parfois d'accord. Il faut s'échapper pour se retrouver, vous savez. Bon, c'est tout à fait ça. Alors, la dernière question que je voulais vous poser concernant donc, votre rapport à la voiture, on va dire, c'est est-ce que vous êtes sensibilisé par l'éco-déplacement et votre éco-mobilité finalement à quelque part? Alors évidemment, comme beaucoup de Français, de gens dans le monde aujourd'hui, l'empreinte carbone et ce que l'on génère comme désagrément écologique dans nos activités et donc dans nos déplacements, c'est quelque chose qui m'interroge. J'ai peut-être plus de questions que de réponses aujourd'hui, mais là par exemple, je roule ici avec un véhicule hybride. Je suis à chaque fois que je viens, alors moi, mes associations, y compris mes associations de marque, sont d'abord liées à des gens et à des amitiés. Ouais. Et j'ai un ami chez Citroën DS ici, mm-hmm, qui s'appelle Daniel Bouton, je vais, d'accord, citer son nom, ouais, qui, on connaît bien, à chaque fois que je viens, me donne la possibilité d'avoir un véhicule. Mm-hmm. Et là, il m'a passé pour la première fois un véhicule hybride. Ouais. Et c'est vrai que ça présente pour moi de l'intérêt, mais ça présente de l'intérêt beaucoup à première vue. J'en ai un peu discuté avec des amis qui sont dans l'automobile. Et il faut, je pense, se méfier un peu des effets comme ça immédiats. Mais quand on sait comment on fabrique les batteries, avec quoi on les fabrique, où on va chercher les matériaux pour les fabriquer, comment se fait l'extraction de ce minerai qui sert à fabriquer les batteries, qu'est-ce qu'on fait après des batteries pour les recycler, etc., on se rend compte que parfois l'équation n'est pas aussi simple que ça. Exactement. Et des carburants végétaux, des carburants qui ne seraient pas liés au pétrole, sont peut-être une approche au moins aussi intéressante que celle de l'électrique. Donc voilà, aujourd'hui, je m'interroge un peu, je n'ai pas de certitude. Et on va voir comment le débat, justement, va permettre d'éclaircir un peu ces choses-là. Tout à fait. En tout cas, c'est des questions qu'on va se poser, nous, dans notre émission, tout au long de l'année. Et on va essayer d'y répondre avec des experts qui viendront au fur et à mesure. J'espère qu'on vous aura dans la prochaine émission, justement, pour pouvoir en parler et nous éclairer aussi à ce niveau-là. Je laisse la parole à Catherine, la chroniqueuse, qui a gentiment accepté d'éliminer sa petite chronique qui était prévue normalement à la place de Harry. Mais bon, tout s'est fait rapidement. C'était la surprise du moment. Je suis flatté.
d'être ici. Je suis flattée en tout cas de vous recevoir. Merci. Alors, vous êtes journaliste, présentateur de JT à 20h sur TF1, présentateur de 7 à 8, bien sûr, acteur, producteur, réalisateur et scénariste. Vous voici revenir à l'écriture. Après Novilu en 2007, Espérance banlieue en 2017, votre troisième livre, publié chez Auteur du Monde, est disponible en librairie. Le titre, Nouvelle d'après 20h, partagé avec Michel Douard, auteur et rédacteur à Tours, en France hexagonale. Alors, Harry Roselmack, ce livre n'est-il pas pour vous la bascule vers une peut-être nouvelle vie, celle aussi d'écrivain populaire? Moi, je considère que j'ai toujours été un auteur. Petit lapsus, vous avez dit acteur. Je n'ai jamais été acteur et je le relève parce que on me dit souvent, mais tu joues, pourquoi tu joues pas dans des films? Je n'ai pas vocation à être acteur. En revanche, auteur, écrire, c'est ma grande passion. C'est aussi parce que j'aime écrire. Si je suis devenu journaliste, c'est parce que les gens m'intéressent, mais aussi parce que j'aime écrire. Et donc l'écriture, elle fait partie de moi depuis très longtemps, depuis que je suis gamin. Et donc, publier un livre, c'est toujours pour moi un grand plaisir, partagé par l'écriture, voilà, que ce soit celle d'un livre, celle d'une fiction. Je suis en train aussi de coécrire avec Michel le scénario d'une série qu'on je touche du bois, oui. Ça manque pas ici, mais qu'on devrait porter à l'écran d'ici 2 ans. Et oui, l'écriture, ça fait partie de ma vie, effectivement. Merci. Alors, vous l'avez expliqué, Harry, vous-même, les nouvelles d'après 20h sont à lire dans tous les sens physiques et intellectuels. C'est un livre de partage et du savoir être soi en tendant la main aux autres. Vous dites aussi que ce livre est fait pour les gens qui ne lisent plus ou presque plus à part leur WhatsApp et leur texto. Alors, peut-on dire que vous nous avez concocté un recueil de petites friandises acidulées, très faciles à lire, mais toujours empreintes de messages un peu subliminaux? Ouais. Dans certains cas, ils sont même pas subliminaux, ouais. ils sont assumés, clairement. Mm-hmm. Et oui, l'idée, c'est ça, c'est que c'est un ouvrage qui est facile à lire. Parce que ce sont des petites histoires dans lesquelles on rentre et on sort assez facilement. Il n'y a pas la frustration d'une histoire très longue qu'on laisse traîner sur la table de chevet, qu'on reprend après quelques jours, parfois quelques semaines d'éloignement et qu'il faut se remettre l'histoire en tête. Là, une histoire, on la lit en un quart d'heure, 20 minutes, on pose, on reprend quand on veut. Et puis le bouquin, la façon dont il est monté, c'est assez marrant, c'est qu'on peut le prendre dans les deux sens. Et ouais. Il y a mes nouvelles, si il y a voit. Les nouvelles de Michel. Et donc il y a vraiment, une construction qui est faite pour la liberté du lecteur. Il y a même un texte sans virgule, sans ponctuation, quasiment sans ponctuation. J'ai trouvé ça génial. C'est la première fois que je vois ça. Et moi qui suis un petit peu écrivain aussi, et je me dis mais c'est juste génial. Ouais, ça marche. Original, ouais. Ça ressemble à du Houellebecq, je veux dire quand il est perdu dans ses nuages. Mais oui, parce que pour moi, ce qui est important dans l'exercice d'écriture, et c'est pour ça que je m'écarte volontiers du journalisme, c'est que pour moi, l'écriture, c'est la liberté. L'écriture journalistique, c'est très bien. Ouais. C'est un exercice de précision. C'est un exercice qui est quand même très contraint par les faits, par la réalité de ce qui est dit ou par la réalité de ce qu'on constate. Mm-hmm. L'écriture romancée de fiction, on fait ce qu'on veut. Ouais. Et là, je me suis permis un certain nombre de petites fantaisies, mais toujours au service, comme vous le disiez tout à l'heure, d'un message. D'un message, voilà, tout à fait. En plus, l'écrivain fait un peu ce qu'il veut. Il peut inventer des mots. C'est à peu près le seul qui peut inventer des mots aujourd'hui. Ouais, après, ils sont repris dans le dictionnaire ou pas, ça c'est un autre problème. Mais l'écrivain peut le faire. La seule chose qui est importante pour l'écrivain, c'est d'être compris. Exactement. Vous pouvez inventer les mots que vous voulez. Si celui qui vous lit ne les comprend pas, c'est quand même un problème. Donc il faut. Exactement. Voilà. Je laisse la parole à Catherine, avec plaisir. Dans une de vos histoires, Kim, le personnage principal, est une splendide jeune femme qui semble se découvrir telle qu'elle est vraiment dans le miroir d'une boîte de nuit. Et finalement, dans le miroir de la vie. Une boîte de nuit, donc, des gens qui dansent, une travestie qui cherche le réconfort d'être enfin reconnue femme. Comment vous viennent ces nouvelles, parfois si ordinaires, puis subitement si extraordinaires? Comme avec ce retour du Brésil tourmenté, accompagné de Séverine et ce fantomatique Gabriel. C'est d'abord de la vie, ma propre vie, ma propre exploration, constatation, partage, découverte. Je vais chercher parfois chez... dans la rencontre de la veille ou d'il y a 2 ans, de quoi nourrir des histoires. Et je crois que c'est ça, l'intérêt de la vie, c'est de s'enrichir en partageant. Et moi, ce que je partage, je le digère et je le repartage à un plus grand nombre en écrivant ces histoires-là.
C'est tout à fait ça, hein, on est d'accord, hein, c'est ce qu'on a ressenti en tout cas. Je me pose parfois la question en regardant votre émission sur TF1 le dimanche soir. D'ailleurs, je vous pose souvent des questions, et vous ne me répondez jamais. ça me fout les boules. Bah là, je suis là pour ça, pour le coup. Justement, j'en profite. Bon, et je me la pose un peu plus, donc, cette question en terminant votre livre ces derniers jours. N'êtes-vous pas un peu à l'étroit entre le 7 et le 8 ce livre n'est-il pas finalement la préparation pour de nouvelles explorations, peut-être de nouvelles émissions télévisées, voire un nouveau projet cinématographique? Chacun se souvient de Fracture, bien sûr. Est-ce que finalement, dans votre implication personnelle aussi concernant la jeunesse dans les banlieues, etc., est-ce que derrière ça, il n'y a pas des projets qui arrivent et qui vous permettraient de vous impliquer un peu plus finalement dans la vie sociale et les problèmes de la vie sociétale? Les projets, c'est un peu ce qui me caractérise, et je me suis jamais restreint à une identité professionnelle, à une identité sociale. J'ai toujours fait plein de choses différentes. C'est pas facile de faire des choses différentes parce que la perception qu'ont les gens de vous, elle est définie par un trait saillant, soit de votre identité, soit de votre parcours. Moi, ce trait saillant en termes professionnels, c'est le journalisme, c'est la présentation de JT. Donc c'est pas évident de faire autre chose, mais je me suis quand même permis d'écrire des livres, d'écrire un film et de le réaliser, d'écrire de la musique, des morceaux de musique, de produire un album. Donc je fais plein de choses, et pour mes engagements c'est pareil. Quand je sens que quand je suis touché par un intérêt qui me semble important, supérieur à d'autres intérêts, hein, tout ça étant très subjectif, parce que les intérêts dépendent aussi des identités et des personnes, ben, je m'engage et je me pose pas 10 000 questions en fait. Donc d'autres projets, oui, c'est sûr. Après, c'est pas une nouvelle étape. Je l'ai fait déjà depuis des années, donc je vais continuer comme ça. Ça ne me réussit pas trop mal, je pense. D'accord. Oui, ça ne vous réussit pas trop mal, effectivement. Non, je pensais plus à la mission potentielle. Parce qu'il n'y a pas une mission qui pourrait vous être, comment dire, presque naturelle dans le domaine sociétal, je veux dire, avec les femmes qu'on trouve aujourd'hui en France hexagonale. Non, moi, ma mission, c'est d'échanger, c'est de raconter des histoires. Mmh. Et des histoires qui font partager des choses qui me paraissent importantes, comme le fait de faire un lien avec l'autre. Ce qui est génial dans cet exercice d'écriture de nouvelles, c'est que, en tant qu'auteur, vous vous projetez dans plein de réalités différentes, dans plein d'identités différentes. Génial. Et ce qui est perturbant, c'est de voir à quel point c'est simple de le faire. Et en fait, on est tous capables de se mettre dans la tête de l'autre. Mmh. On ne le fait pas suffisamment, c'est ça. Mais on est tous capables de se projeter dans la vie d'un autre. Mmh. Et ça, pour moi, c'est le signe d'un lien très profond, au-delà de l'empathie dont on parle toujours, mais d'un lien très profond entre les individus. Et c'est ce lien-là que j'essaie d'explorer en partageant des histoires. Harry, vous réussissez dans la nouvelle post-mortem avec un humour décalé, sûrement décalqué à faire se rencontrer deux entités décédées, la A et la B, l'une blanche et raciste, l'autre noire qui votait à gauche. Je retiens une succession de questions posées dans cette nouvelle, mais une me hante un peu comme Gabriel hante Sébastien au début du livre. L'altérité engendre la possibilité du mal, mais crée aussi, à l'opposé, l'expérience du bien. Vous êtes sans doute le plus bel exemple de la réussite de la diversité en France métropolitaine, de plus dans un grand média. Pourtant, vous le racontez aussi, vous avez peu subi le racisme du quotidien. Harry, a-t-on appuyé sur vos altérités dans votre carrière cette fois, à la radio ou à la télévision, afin de minimiser ou masquer vos talents? C'est tellement bien dit, j'adore. C'est bien dit, hein. C'est bien écrit. C'est littéraire. On sent la fibre littéraire. Et la question est évidemment pertinente. Alors, l'altérité dans le sens de ma couleur de peau, parce qu'on est tous l'autre de l'autre, mais ma différence, entre guillemets, en tout cas celle qui a été beaucoup soulignée quand je suis arrivé à la télévision, à savoir ma couleur de peau, c'est compliqué de dire qu'elle a été utilisée contre moi. Je sais que quand je suis sorti de l'école de journalisme, comme beaucoup de mes collègues, j'ai envoyé mes CV, mes lettres de motivation à plein de grands médias qui, à l'époque, ne m'ont pas répondu favorablement. Si j'ai commencé ma carrière de journaliste dans une radio communautaire, qui était la radio Média Tropicale, qui était la radio des Antillais de la région parisienne, et c'est pas un hasard si j'ai commencé dans cette radio, je pense, à l'époque, en 94. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Je pense
pour que les choses bougent, il faut que soi-même on bouge. Si nous-mêmes on reste enkysté dans ces échecs entre guillemets ou dans les refus auxquels on doit faire face, on n'aide pas la société à avancer, on n'aide pas les choses à avancer. Donc à un moment, sans doute, ma couleur de peau ne m'a pas été favorable. En revanche, au moment où je suis arrivé à TF1, ma couleur de peau a clairement été un élément favorable. Je rappelle le contexte, 2005, série d'émeutes en banlieue, plus grosse prise de conscience au plus haut niveau de l'État de la nécessité de représenter aussi des minorités, de donner des gages à tous ceux qui vivent en France et qui ont l'impression de ne pas exister, de ne pas être pris en compte. Et à ce moment-là, effectivement, une prise de conscience plus rapide chez TF1 que dans d'autres chaînes, ce qui était un peu une surprise. On s'attendait un peu à ce que ce soit le service public qui fasse ça. Ouais. Mais TF1 qui s'engage de façon claire sur le sujet en mettant dans son journal de 20h, qui est sa plus grosse vitrine, un journaliste noir. Donc, ça a joué contre moi, ça a joué pour moi, le bilan est à peu près neutre, comme le bilan carbone, le bilan est à peu près neutre. Merci. Je ne vais pas me draper dans cette victimisation-là. Maintenant, je sais que certains en sont objectivement victimes de leur couleur de peau et le sens de ce que je partage aujourd'hui, c'est de faire comprendre que ce sont que ces différences-là et que les différences en général ne justifient pas des traitements différenciés, des discriminations. Et je crois qu'une fois que ce message-là il sera passé, on va régler beaucoup de nos problèmes parce que la société française, là aujourd'hui, elle est dans une passe très, 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 très compliquée. Mais je pense qu'elle a besoin d'être apaisée, cette société. Ouais. Et il faut avoir des discours qui soient raisonnables, je veux dire, voilà, et raisonnés. Elle a besoin d'être apaisée, ouais, rassurée, confortée. Mmh. Il faut que ceux qui sont amenés à concéder, à faire de la place, soient rassurés. Mmh. Parce qu'évidemment que ce n'est pas facile. Quand vous êtes un homme et quand vous êtes blanc, vous avez l'impression d'être assiégé de toutes parts, assiégé par des femmes qui légitimement demandent leur place, professionnellement notamment, assiégé par des minorités ethniques qui demandent aussi leur place. Et donc, il faut se rendre compte que ce n'est pas une démarche qui est naturellement simple. Donc il faut l'accompagner, il faut expliquer, et il faut dédramatiser tout ça. Alors, je voulais prévenir les auditeurs, parce que les téléspectateurs le voient, on est quand même en extérieur, donc on a un peu de vent, il y a des bruits un peu bizarres qui passent, mais ne vous inquiétez pas, c'est ni Harry, ni Catherine, ni moi, c'est vraiment le son du vent. Et je voulais aussi dire aux auditeurs que, j'espère que le son sera suffisamment audible, mais je pense que oui, il ne doit pas y avoir de raison. Alors, merci pour cette réponse, ça nous permet de faire une petite transition si vous êtes d'accord, bien sûr si vous êtes d'accord, sur le sentiment que j'aimerais connaître, le vôtre, sur les derniers événements qui secouent la Martinique, entre crise du chlordécone, statut ETT, entre la crise Covid et l'affrontement et l'effondrement de nombreux secteurs, mais particulièrement celui du tourisme et de l'événementiel par exemple. Quel est votre sentiment quand vous êtes arrivé en Martinique? Est-ce que vous avez ressenti déjà en discutant dans vos discussions avec vos amis déjà et puis avec les gens que vous rencontrez? Est-ce que vous avez ressenti ce phénomène de crise, Oui, pas plus qu'ailleurs, pas plus qu'en France hexagonale où cette crise Covid elle génère aussi une situation très tendue et très compliquée sur le plan de l'activité économique notamment. Mais vous parliez du chlordécone, il y a une de mes nouvelles qui traite de ce problème de santé publique majeure du chlordécone. Et je crois qu'effectivement, sur certains sujets, on sent la distance. Ouais. On sent la distance avec Paris. Dans ma position, ce qui peut être intéressant, notamment en le faisant par le biais de la fiction, c'est d'amener, en racontant des histoires avec des personnages auxquels le lecteur peut s'attacher ou pas, mais qui va aller le chercher, amener le lecteur sur une problématique qu'il ne connaît pas. Et typiquement, mon compatriote de Roubaix, de Guéret, qui va lire ce livre, il va découvrir ce mot chlordécone, il va peut-être aller chercher ce que c'est, et il en saura plus. Donc l'idée, c'est effectivement aussi de prendre des problématiques qui sont propres à nos sociétés antillaises et de les porter à la connaissance d'un plus grand nombre. Tout à fait. Catherine? Moi, je conclurai en disant que j'ai beaucoup apprécié votre livre. Jean-Marc aussi, je le sais.
Les nouvelles sont fraîches, littéraires et faciles à lire. Elles se dégustent à toute heure, à l'endroit ou à l'envers, de bas en haut, de haut en bas. Alors peut-on vous demander, Monsieur Rosenmack, des nouvelles suites qui nous plongeront à nouveau dans des univers tout à fait ordinaires ou spécialement extraordinaires, signé Harry? Si, cette demande est, elle est très bien formulée. Émane de moi. Si elle, elle émane de vous, ça fait un point supplémentaire. Et si elle est insistante, ouais, il y aura sans doute un deuxième volume. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui me plaît et je pense qu'on va s'y remettre avec Michel. Parfait. Harry Rosenmack, merci d'avoir répondu aux questions de Catherine Emily et de Jean-Marc Bolchette pour les experts auto sur Maxi, donc 107.1, 107.3 FM, et pour grandautomobile.fr, le premier magazine d'automobile anti-Guyane. Demain, par contre, vous avez, c'est un moment très important, je le sais, pour vous. Vous rencontrez votre public ici en Martinique, ici même d'ailleurs à l'hôtel Batelière. Vous pouvez nous en parler un petit peu, qu'est-ce qui va se passer finalement? Une rencontre. Une rencontre. L'idée, vous l'avez dit, c'est important, c'est de rencontrer des gens qui s'intéressent non seulement à ce que j'écris, mais à mon parcours. On va échanger, on va prendre une petite heure pour échanger, répondre à des questions, parler de sujets divers, et puis pour dédicacer aussi des ouvrages pour ceux qui souhaiteraient en avoir. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'est diffusée l'émission, mais c'est vendredi ce soir, samedi, juste la veille. Ah bah, voilà. La veille, bah, c'est demain à 13h à la Batelière à Chelcher. C'est juste génial. Merci. Donc, rendez-vous au moins dans 7 à 8, dimanche prochain. Voilà. Essayez de me répondre quand même, ce serait sympa, pour une fois, quand je vous parle. Vous avez l'impression que je ne vous ai pas répondu, là? Ah ouais, mais parfois je me pose vraiment des questions sur mon sujet, mais vous ne répondez jamais. Bon, c'est pas grave. Merci en tout cas, franchement. Merci beaucoup, parce que les conditions étaient un peu particulières. Merci d'avoir pris du temps. Et puis on vous attend dans la prochaine émission avec plaisir, à votre retour, pour le prochain livre peut-être, ou le prochain film. Je l'espère. Ou la prochaine émission, quand vous aurez été confié, on sera là, hein, nous, hein, pas de problème. Hein. Super. Harry, merci encore. Longue route. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Merci Catherine. Au revoir. Merci à vous public, merci à toute l'équipe. Et puis donc rendez-vous eh bien, dans 15 jours pour une nouvelle émission pleine de surprises comme d'habitude. A très vite. Ciao. Eh bien, retour sur le plateau des experts auto avec la bande AJM. Ce fut un plaisir, Harry Rosenmack, de vous recevoir pour votre nouveau livre « Nouvelles d'après 20h ». Eh bien, moi, je vous rappelle que notre émission est donc prévue maintenant pour le 28 mai de 18h à 19h. C'est la première. Et pour qu'elle soit parfaite, il nous fallait encore un petit peu de temps. Donc, merci de votre compréhension et à très très vite sur grandautomobile.fr, sur Maxi, pour les experts de la bande AJM.